Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, pendant que nos forces, avec l'appui de la MONUSCO, sont en confrontation avec les terroristes du M23 dans les groupements de Jomba, plus de 20 obus et bombes tirés de l'est vers l'ouest de l'axe routier Goma-Rutshuru ont explosé hier mardi 24 et aujourd'hui mercredi 25 mai 2022 sur le territoire congolais à Katale, non loin de la piste d'aviation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN à Rumangabo et les environs. Comme si cela ne suffisait pas, la position des forces armées de la République démocratique du Congo de Ruhunda, située dans le versant ouest de la montagne de Karisimbi à Kibumba, à 20 km à l'est de la ville de Goma, a été attaquée la nuit de lundi 23 mardi 24 mai 2022 à 3 heures du matin. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux petites heures du matin et les forces loyalistes ont repoussé l'ennemi. Dans sa débandade, l'ennemi a abandonné des armes et des effets militaires récupérés par les FARDC. Il s'agit notamment d'un mortier 60 mm, d'une arme AK-81, de 8 roquettes anti-tank, d'une chaîne de munitions de l'arme PKM, d'une paire de tenues militaires, d'un casque et de 2 gourdes militaires non utilisées ni par les FARDC ni par les terroristes M23. Le matin de ce mercredi 25 mai 2022, les positions des FARDC de Kibumba et de Jomba ont été une fois de plus attaquées. Les forces loyalistes déterminées à ne laisser aucun centimètre du territoire national à qui que ce soit se comportent de manière professionnelle sur le terrain, aussi bien à Jomba qu'à Kibumba. Ainsi, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et commandant des opérations a saisi le mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale.